Evet, son iki yıldır Türkiye Yayıncılar Birliği olarak gündemimize aldığımız kültür endüstrisinin yapısal sorunlarını ortadan kaldırabilecek olan kıta Avrupa'sında uygulanan, Almanya'da, Hollanda'da, İtalya'da, İspanya'da uygulanan sabit fiyat yasası dediğimiz, sadece fiyatla da eşdeğer olmayan ülkelerin kanunları var. Yayıncılık endüstrisini ve yayıncılık ekonomisini çok yakından ilgilendiren kanunlar bunlar. Biz de kendi ülkemizde benzer kanunların, benzer yapıların ortaya çıkması için bununla ilgili çeşitli toplantılar yaptık. Geçen yıl burada Alman Yayıncılar Birliği'nden arkadaşlarımız vardı. Bildiğiniz gibi Nisan ayında bir yayıncılık kurultayı yaptık. Orada da Hollanda'dan arkadaşlarımız gelmişti. Bugün de burada Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle Fransız Yayıncılar Birliği ve Fransız Ekonomi Bakanlığı'ndan, Fransız Kültür Bakanlığı'ndan Kitap Ekonomisi Bölüm Başkanı olan Rémi Jimazen aramızda. Eski Fransız Yayıncılar Birliği Başkanı Jean-Guy Boin arkadaşımız yanımızda. Onlarla Fransa'daki onların Lank yasası dedikleri sabit fiyat yasasının nasıl bir şey olduğunu, kanunun ne olduğunu, sektör içinde bunun uygulamaların ne şekilde olduğunu, yayıncılığı ve kitapçılığı nasıl etkilediğini, kamunun ve okurların bundan ne gibi yararlı olduklarını konuşacağız. Başlangıç olarak da ben Fransız Kültür Merkezi'nden bütün bu toplantıda bize her türlü desteğini esirgemeyen Saadet Ersin Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda simültane çeviriyi yapacak olan arkadaşımız Ezgi Ünlüer'e de sabrı için ve bizi inşallah onu yormadan bu çeviriyi yapma şansı veririz ona. Onun için de ona da çok teşekkür ediyorum. Bu açıştan sonra ben ilk sözü Rémi Jimazen'e vereceğim. Rémi Jimazen Kültür Bakanlığı Ekonomi Bölüm Başkanı. O bize sabit fiyat yasası nedir? Sabit fiyat yasası ile ilgili ülkede yayıncılık endüstrisini, kitapçılığı ve yayıncılığı nasıl etkiliyor? Bu yasa ile ilgili bizi bilgilendirecek. Kalan şeyler olursa da arada ben sorular soracağım. Daha sonra da BF'in başkanı, eski başkanı Jean-Guy Boin bize bilgi verecek. Buyurun Jean Zimezen. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à l'Association des éditeurs turcs pour son invitation. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter cette loi de prix fixe que nous avons en France. C'est une loi dont le nom officiel est la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, mais très souvent en France, on l'appelle la loi Lang, car le ministre de la Culture, à l'époque où cette loi a été promulguée, s'appelait Jacques Lang, et la loi porte et a gardé le nom du ministre de l'époque, la loi Lang. Donc cette loi a été votée par le Parlement français en 1981, et cette date est importante parce que 1981 était la date d'une grande élection présidentielle en France, et cette loi, qui est une loi technique, qui regarde l'économie du livre, était devenu un sujet de débat politique suffisamment important pour que, pendant la campagne des élections présidentielles de 1981, les différents candidats pour devenir président de la République s'étaient engagés sur ce sujet qui était devenu, en France, un sujet politique de premier plan. Cette loi a été votée dans un contexte économique où, pendant toute la fin des années 1970, on a assisté en France à la multiplication de pratiques de rabais, de discount sur le prix des livres vendus par de grands opérateurs de vente au détail de livres qui, de plus en plus, attiraient, gagnaient des parts de marché à travers des pratiques de prix bradés. Le mécanisme de la loi qui a été votée en 1981 est relativement simple. C'est une loi de prix fixe
ce qui signifie que le prix du livre en France est déterminé par l'éditeur. Et l'ensemble des détaillants, l'ensemble des libraires sur le territoire français doit respecter, au moment où il vend le livre au lecteur, doit respecter le prix qui a été initialement fixé par l'éditeur. Ça, c'est la règle générale. Il y a bien sûr un certain nombre de tempéraments ou d'exceptions à cette règle. Le détaillant, le libraire, lorsqu'il vend le livre au lecteur, peut avoir un léger rabais à hauteur de 5% du prix du livre. C'est-à-dire que si l'éditeur a fixé le prix du livre à 20 euros, le libraire pourra vendre le livre entre 19 et 20 euros. Il ne peut pas le vendre à un prix inférieur à 19 euros. 5% maximum de rabais pour le détaillant. Ça, c'est le premier tempérament. C'est la règle générale lorsqu'on vend des livres à des particuliers, à des clients particuliers, des individus qui achètent des livres. Il y a des règles un petit peu différentes lorsque l'achat est réalisé par une collectivité, une autorité publique. Pour les achats des bibliothèques, lorsque les bibliothèques achètent des livres pour rejoindre leur collection, alors le marchand de livres, le libraire, peut faire un rabais qui n'est pas seulement de 5%, mais qui peut aller jusqu'à 9% du prix du livre, d'une part, et d'autre part, le détaillant, au moment où la bibliothèque achète des livres, collecte 6% du prix du livre pour ensuite le reverser à un organisme de gestion collective en contrepartie du prêt public du livre. Ça rémunère les auteurs et les éditeurs. 6% du prix des livres vendus aux bibliothèques sera ensuite redistribué aux auteurs et aux éditeurs en contrepartie de l'activité de prêt des bibliothèques. Ça, c'est la dérogation pour l'achat par les bibliothèques. Il y a une autre dérogation, c'est lorsqu'une autorité publique achète des livres scolaires. Dans le cas de livres scolaires, le détaillant n'est pas tenu par aucun prix fixe, si c'est une collectivité publique qui l'achète. Le détaillant peut faire un rabais de 30, 40, 50% du prix fixé par l'éditeur, s'il le souhaite, bien sûr, à condition qu'il ne fasse pas de la revente à perte, ce qui est une pratique anticoncurrentielle, mais il n'y a pas de prix fixe lorsqu'il s'agit de livres scolaires qui sont vendus à des collectivités publiques. En revanche, une famille qui va dans une librairie pour acheter un livre scolaire achètera le livre au prix fixé par l'éditeur, comme n'importe quel livre. La loi de prix fixe s'applique aux particuliers aussi pour le livre scolaire. Ce n'est que quand c'est une collectivité qui achète le livre que la loi ne s'applique plus. Voilà pour les principales dérogations à la loi de prix fixe. Une dernière dérogation existe à l'attention des détaillants. Si le livre a été publié depuis plus de 2 ans, donc 2 ans après la mise sur le marché du livre, et si le libraire, si le détaillant a le livre depuis plus de 6 mois dans son stock, dans sa boutique, alors il peut vendre le livre au prix qu'il le souhaite. Parce que le livre est déjà sorti depuis plus de 2 ans, parce qu'il est resté longtemps dans la boutique, dans la librairie, que le libraire n'a pas réussi à le vendre, alors il peut faire un rabais. Mais sinon, de façon générale, le libraire doit appliquer le prix fixé par l'éditeur. Et il n'y a pas d'extinction de cette règle au bout de 10 ans après la publication. Même les livres publiés il y a 20 ans continuent de rester sous le régime de la loi de prix fixe et doivent être vendus au prix fixé par l'éditeur si un client particulier souhaite les acheter. Voilà pour la présentation générale de l'économie de la loi. La loi comporte aussi un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement liées
au mécanisme du prix fixe. D'abord, la loi dispose que les libraires doivent obligatoirement, sont obligés d'honorer toutes les commandes des particuliers qui rentrent dans leur boutique. Un citoyen qui rentre dans une librairie en France a le droit de commander un livre si le livre n'est pas dans le stock du libraire. Il y a une obligation d'honorer gratuitement les commandes à l'unité des Français. Ça, c'est la première disposition un peu spécifique. La deuxième disposition intéressante dans la loi regarde les relations entre les éditeurs et les détaillants. Puisque c'est l'éditeur qui fixe le prix de vente, sa relation commerciale avec le détaillant va être une remise sur le prix public. Par exemple, si le prix public est de 20 euros, l'éditeur va vendre le livre au libraire 12 euros, par exemple, avec une remise sur le prix public. Ça, c'est les relations entre entreprises. La loi dispose que quand l'éditeur fixe la remise qu'il va accorder au libraire, alors cette remise doit être davantage influencée par la qualité du travail du libraire que par les quantités vendues. Dans la détermination de la remise commerciale du libraire, l'aspect qualitatif est plus important que l'aspect quantitatif. Une grosse entreprise qui vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sans faire un travail de qualité pour la diffusion du livre doit par conséquent avoir une remise commerciale inférieure à un libraire qui vend peut-être moins de livres, mais dont la qualité du travail est plus importante. La loi n'explique pas ce qu'est la qualité du travail du libraire. Ces questions sont réglées par un travail interprofessionnel entre le syndicat français des éditeurs d'une part et les différents syndicats, groupements qui représentent les détaillants, les personnes qui vendent des livres. Voilà pour la présentation générale de la mécanique de la loi. Je voudrais, avant peut-être de permettre à Jean Guibouin de faire quelques développements économiques sur la manière dont tout cela fonctionne, je voudrais rappeler peut-être les objectifs politiques qui ont été ceux du Parlement français au moment où cette loi a été votée. Parce que ces objectifs politiques sont aussi ceux qui nous permettent encore aujourd'hui d'évaluer la pertinence et la force de notre loi. Le premier objectif de la loi de prix fixe en France, c'est un objectif d'égalité. Égalité des citoyens dans l'accès aux livres. Quel que soit l'endroit où je me trouve sur le territoire de la République, je trouverai le livre au même prix. Ce n'est pas parce que j'habite quelque part très loin, dans des montagnes, avec des circuits routiers compliqués, que je dois payer le livre plus cher. Tous les Français achètent le livre avec un prix égalitaire. Ça, c'est vraiment le premier objectif, qui est un objectif lié à une valeur fondamentale de la République. Les deux autres objectifs, les deux objectifs suivants, sont liés à l'effet économique qu'a la loi. La loi de prix fixe préserve un réseau dense de nombreuses entreprises de vente au détail, de nombreuses librairies sur l'ensemble du territoire. Elle empêche la concurrence par les prix entre les détaillants, donc elle prévient la concentration dans le segment de la vente au détail. Et les deux objectifs politiques qui en découlent sont aussi importants. Le premier objectif politique lié à la densité du réseau de détaillants, c'est que les libraires, la densité de ce réseau garantit l'animation culturelle sur tout le territoire de la République. Le législateur a reconnu l'importance de la présence nombreuse de lieux de vente de livres parce que ces lieux de vente sont des endroits où les citoyens peuvent accéder à l'actualité des débats esthétiques, politiques,
des grands débats de société de la nation. Les libraires, les librairies, l'animation culturelle que font les librairies sur le territoire sont une garantie de démocratie. Le dernier objectif, et économiquement la démonstration est un petit peu plus subtile, mais le dernier objectif, c'est un objectif de diversité de la création éditoriale. La loi de prix fixe, en maintenant un large réseau de librairies sur l'ensemble du territoire, permet de continuer de publier des titres inattendus par le public, des titres de création, permet à l'édition d'être novatrice, de faire des paris plus audacieux que si ce n'était pas le cas. Parce que plus le réseau de librairies est dense et diversifié, plus les libraires sur tous les territoires seront différents les uns des autres, et plus les éditeurs pourront mettre sur le marché des titres différents, parce que les libraires, quelques libraires, toujours, plus ou moins, seront intéressés par une production nouvelle. Voilà pour ma présentation un petit peu générale, à la fois du mécanisme de la loi et de ses objectifs politiques, et je propose peut-être que Jean-Guy développe le raisonnement économique qui préside à tout cela. Merci. Bonjour à vous tous. Merci à l'association de son invitation. Association que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, à la fois ici, à Istanbul, je suis venu déjà une fois en 2010 à cette foire, et d'autre part dans le cadre de rencontres professionnelles qui se sont tenues à l'Institut français d'Istanbul. Il y en a encore au mois de juin prochain, d'après mes informations, et puis par ailleurs à Paris. La question du prix unique, je serais obligé de me lever parce que l'ordinateur est là-bas pour vous projeter un peu plus tard quelques données. Non, pas tout de suite. Auparavant, je vais peut-être un peu revenir sur ce que vient de dire Rémi. D'abord, je crois que la question du prix unique, du prix fixe, excusez-moi, ça vaut pour tous les pays qui le pratiquent. Là, nous évoquons l'expérience française, mais bien évidemment, comme l'a rappelé le président, il y a d'autres pays, il y en a une vingtaine à peu près, qui ont un système de prix fixe. Vous avez évoqué l'Allemagne, qui est probablement le plus proche du nôtre en tant que tel. Il y a les pays latins, on va dire, que sont l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Il y a l'Autriche, il y a le Japon. Enfin, on pourrait, si vous voulez, en citer quelques-uns. Et la question qu'on peut se poser, peut-être déjà, c'est d'où ça vient au-delà. Effectivement, le contexte politique a été très bien rappelé il y a une quinzaine de minutes par Rémi, mais essayons de projeter un peu, si vous voulez, comment se fait-il qu'on arrive dans un système d'économie libérale, comment se fait-il qu'on arrive à ce type de système. Et très souvent, il m'est arrivé à l'étranger que les gens confondent un peu et disent ce système de prix fixe, ça veut dire qu'il y a une intervention de l'État et que l'édition est sous le contrôle de l'État. À l'instant, a été évoquée la question de la diversité culturelle, la diversité éditoriale en tant que telle. Je crois que c'est de là qu'il faut partir. D'un point de vue plus théorique, on peut aussi partir du fait que le livre, l'édition, c'est ce qu'on peut appeler une industrie culturelle. Ce terme d'industrie culturelle a été inventé d'une certaine façon, non pas par un économiste, bizarrement, mais par un philosophe, qui est Théodore Adorno. Ça fait à peu près 70 ans, et maintenant il est repris un petit peu par tout le monde. Les industries culturelles se regroupant le livre, l'édition, je viens d'en parler, mais aussi, par exemple, l'industrie du cinéma ou de la musique dans un autre genre. Mais on n'est pas là pour cela. L'intérêt, dès lors que l'on pose le principe d'une industrie culturelle, on va tout de suite dans ce que les économistes appellent, on est dans une économie de l'offre, ce qui ne veut pas dire que la demande n'existe pas, mais on est dans une économie de l'offre, et cette offre, très concrètement, se manifeste par un nombre de titres publiés extrêmement important, et donc par un catalogue d'œuvres, si vous voulez, qui est tout à fait important. On le verra tout à l'heure
dans les documents que je vous présenterai, sur, je ne sais pas le dire en français, PowerPoint, qui est donc effectivement un logiciel. On ne va pas dire le point du pouvoir, ce serait quand même désagréable. Mais donc, si vous voulez, on pourra le voir. Mais l'ordre de grandeur, par exemple, pour la France, selon le magazine professionnel qui s'appelle Livre Hebdo, l'année dernière, les nouveautés et les nouvelles éditions, ça a représenté 67 000 titres, ce qui est absolument énorme si vous comparez à d'autres secteurs. Si on prend l'industrie du film long métrage, par exemple, alors que l'industrie française, de ce point de vue, est très, très, très en pointe dans le monde, ce sont à peu près 280 longs métrages. Donc, si vous voulez, la comparaison est un peu rapide, mais déjà, si vous voulez, elle fait sens. En tout état de cause, avec un nombre de références aussi important, on est bien dans ce qui était évoqué, effectivement, sur la diversité de l'offre. Par voie de conséquence, on peut rapidement imaginer qu'il y a besoin d'une diversité des lieux de vente pour que cette offre puisse trouver son public. Ça, c'est le premier point de ce qu'on peut dire. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer... Vous montrer quelques chiffres, je reviens. Ah oui, j'aurais pu vous. Alors, c'est les chiffres, à chaque fois, bien évidemment, je m'obligerai à donner un peu les sources d'où elles viennent. Donc là, il s'agit, si vous voulez, depuis 27 ans, c'est-à-dire depuis 1990, nous avons effectivement l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie éditoriale. Par rapport à ce qu'on peut voir parfois, les chiffres qui sont marqués ici sont des chiffres en valeur de prix de vente hors taxe, ce qu'on appelle le prix public hors taxe, parce que, si vous voulez, ça permet par rapport à d'autres industries, comme par exemple le cinéma, de bien définir, si vous voulez, un peu les éléments de comparaison, mais aussi au niveau des comparaisons internationales, puisque... On est quand même dans un monde qui est totalement mondialisé. Il se trouve que, de ce point de vue, comme ça, rapidement, on peut voir que l'édition française se situe dans le sixième rang de mondial, si vous voulez, en termes de chiffre d'affaires, de l'édition dans le monde. Qu'est-ce qu'on observe sur cette courbe ? On observe qu'effectivement, on a eu une certaine croissance. La croissance, si on regarde, si vous voulez, à 90, on est juste après les 3 000 millions d'euros, si vous voulez, qui apparaissent. Et donc, on arrive maintenant à quelque chose qui est de l'ordre de 4 milliards et demi. Donc, on a une croissance qui est quand même significative. Je reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure sur ces valeurs-là, parce que là, les valeurs que vous avez sont ce qu'on appelle en euros courants, c'est-à-dire au fur et à mesure de la monnaie. Bien évidemment, il faudra les corriger, ce que je ferai un peu plus tard, en euros constants. Alors, ce qui est très intéressant de voir, et le zéro constant, c'est-à-dire tenant compte de l'évolution des prix, évidemment, en tant que tel, et on verra à partir de là qu'il y a quand même une certaine croissance, enfin une croissance même, qui existe. Si je poursuis le tableau, avant de poursuivre ce tableau, excusez-moi, une chose quand même que je voulais dire, c'était notre traductrice, je la remercie, qui me disait en préparant cette réunion, à l'intérieur de ce chiffre d'affaires, en 2017, la dernière année que nous sommes en train d'étudier, le livre numérique, le livre digital, je le dis en français, à dessein, je ne vous emploie pas l'expression anglaise de e-book que tout le monde emploie de façon générale, le livre digital représenterait toujours, selon le syndicat national de l'édition, la référence que vous avez en bas à droite, c'est-à-dire l'Association française d'éditeurs, représentait à peu près 7% du total, les ventes. Avec quand même un petit correctif, c'est que ces 7,2% du total, il faut les resituer dans un cadre plus large. Si on isole, par exemple, ce qu'on appelle l'édition professionnelle, parmi lesquelles est au premier rang les livres de droit,
les livres juridiques, les codes, par exemple, en tant que tels, pour lesquels les deux tiers du chiffre d'affaires sont faits en livres numériques en tant que tels. Si on revient à ce que les Américains ou les Anglais appellent le trade, c'est-à-dire le livre courant, le livre de tous les jours, la plupart d'entre vous, des éditeurs qui sont ici, c'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiction, la non-fiction, ceci comprenant naturellement aussi la jeunesse, le livre d'art et par exemple la bande dessinée, en fait on est autour de 3,8-4% pour la part du livre numérique. Donc ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'est pas, si vous voulez, à hauteur de ce qu'on peut constater dans les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis ou que ce soit le Royaume-Uni. À cet égard, ça n'a pas été évoqué par Rémi tout à l'heure, mais que je le rajoute juste pour mémoire, depuis 6 ans maintenant, 5-6 ans, il y a eu une loi à côté de la loi sur le prix fixe du livre pour le papier, qui est la loi sur le prix fixe du livre numérique. Donc effectivement, enfin, Rémi reprendra peut-être tout à l'heure, c'est probablement un des principaux contributeurs historiquement de cette loi, donc sur le fait que nous disposions de cela. Si on regarde sur la même période, qui est toujours de 27 ans, le nombre d'exemplaires qui sont vendus. Alors on s'aperçoit qu'on arrive à peu près à 430 000. Si on raisonne, c'est-à-dire que ça fait à peu près 7 livres par personne, bon, en France. Ce qui ne nous situe pas comme un des principaux pays, hein, mais on doit être dans les, de ce point de vue, 10 ou 12e pays au plan mondial sur ce sujet. Donc, si nous regardions après, excusez-moi, le nombre de titres publiés dans la même période. Dans la même période, le nombre de titres publiés a explosé, si je puis me permettre. Merci beaucoup. Merci. Les effets de l'automne, ça s'appelle. Je vous prie de m'en excuser. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, on est passé de 20 000 à peu près à 68 000. Donc c'est une explosion absolument considérable, puisque c'est multiplié par pratiquement 3,3 le nombre de références qui sont mises sur le marché. Ce n'est pas propre à la France. On l'observe, si vous voulez, dans beaucoup de pays. Alors là, évidemment, on peut l'analyser très simplement en disant c'est une bonne nouvelle pour la diversité culturelle dont parlait Rémi. Voilà, comme ça sera plus simple. Et en même temps, si vous voulez, on constate, si on réfère avec le chiffre d'affaires, que cette augmentation est très largement au-dessus de l'augmentation du chiffre d'affaires. Il en résulte, c'est évident, que la vente moyenne par titre a baissé, et a baissé de façon tout à fait significative. Ce qui, mais là c'est une dimension plus macroéconomique, microéconomique, et qu'on abordera peut-être dans le débat, Monsieur le Président, tout à l'heure, qui est effectivement que on peut déjà conclure qu'il y a une sorte de rentabilité au titre qui est moins importante. Donc ce qui pose la question de la rentabilité même des entreprises d'édition. Ce qui ne veut pas dire que dès lors qu'elles publient plus, leur rentabilité globale baisse. Mais je veux dire, c'est en termes de rentabilité au titre. Ce chiffre, on l'a vu. Là, rapidement, c'est pour vous montrer aussi un indicateur ou de différence, si vous voulez, qu'il peut y avoir entre nos pays, la répartition des ventes tel qu'on peut l'avoir, avec effectivement pour la première colonne par chiffre d'affaires, pour la seconde colonne par le nombre de nouveautés publiées, et pour la troisième par le nombre d'exemplaires vendus. Vous voyez que la fiction, la littérature, pour faire vite, est largement en tête, mais on s'aperçoit qu'effectivement il y a des secteurs qui progressent tout à fait, qui sont très importants. Et regardez, il en est par exemple, c'est le cas de l'édition de jeunesse,
qui, chez nous, représente 12,8% du chiffre d'affaires. Et comme le prix moyen du livre de jeunesse est moins fort que le prix moyen des livres de littérature, comme dans la plupart des pays du monde, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le nombre d'exemplaires vendus. Et on s'aperçoit que, alors que c'est 12,8% du chiffre d'affaires pour l'édition de jeunesse, en matière d'exemplaires vendus, cela représente 19,1%, c'est-à-dire pratiquement un livre sur cinq. C'est en même temps, il faut le dire, une bonne nouvelle, sans être cynique. C'est vrai qu'on construit davantage l'avenir avec effectivement des jeunes, je veux dire, qui se forment, que s'il y avait une certaine déperdition de la part des jeunes. Ça renvoie après plus généralement aussi à l'évolution aussi des pratiques de lecture, ça aussi on l'abordera peut-être tout à l'heure. Donc là c'est pas directement le sujet de la loi, c'est-à-dire que la loi elle existe encore une fois, mais elle existe dans un contexte, si vous voulez, tel que je l'ai dit, et qu'effectivement il est certain que nous devons avoir une vraie vigilance vis-à-vis de la lecture, du développement de la lecture, tant du point de vue des pouvoirs publics d'un côté que en même temps des professionnels du livre qui ont leurs propres responsabilités dans ce développement ou dans l'évolution de ce type de pratique. Enfin, et rapidement, je soutiens, regardez ce que j'ai appelé en anglais, en français qu'on appelle bande dessinée, ici c'est comic and graphic novels, où effectivement qui représentent plus de 10% du chiffre d'affaires et 14,2% des exemplaires vendus. Là, je présente la répartition de la vente par point de vente. Les chiffres que je produis ici sont les chiffres qui sont issus d'une enquête régulière qui est menée par un institut de sondage, la SOFRES, pour le compte du ministère de la Culture. qu'est-ce qu'on observe sur les années qui vont de 1995 à 2017 ? On observe que, effectivement, ce qu'on appelle les librairies, alors certains les appellent traditionnelles, d'autres les appellent indépendantes, d'autres les appellent, enfin, les librairies, les commerces classiques, on va appeler, on s'aperçoit qu'ils connaissent une baisse très sensible. On passe de 34,6% à 22%. Une première réflexion rapide pourrait consister à dire, ben alors à quoi ça sert cette loi si, effectivement, il y a moins de librairies. Alors, effectivement, il faut d'abord rappeler deux choses. C'est qu'on s'inscrit ici dans un temps long, puisque la période que j'ai choisie ici, c'est de 1995 à 2017. Si je prenais 10 années de plus, ce serait encore plus net. Il y a eu un développement de ce que nous appelons les grandes surfaces culturelles, comme par exemple la FNAC, principalement la FNAC, dont vous voyez que la part de marché a doublé, davantage que doublé. Elle est passée de 12% à 25,5%. Simplement, il faut rappeler que la FNAC a largement augmenté le nombre de magasins FNAC qui vendent des livres. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, Rémi, qu'on est autour de 120, à peu près 120 magasins FNAC qui vendent du livre par ailleurs. Et à côté de la FNAC, il y a d'autres grandes surfaces culturelles, si vous voulez, qui peuvent exister. Rapidement, qu'est-ce qu'on appelle des grandes surfaces culturelles ? Ce sont des commerces dans lesquels on trouve du livre, on va trouver de la musique, par exemple CD, on va trouver des DVD, et puis effectivement, ça s'élargit, si vous voulez, après à d'autres choses. Donc ça, c'est une évolution qu'on a constaté d'abord en France, qu'on voit aussi dans d'autres pays du monde, mais beaucoup en France, ces grandes surfaces culturelles, donc qui ont augmenté leur nombre de mètres carrés, donc par construction, elles augmentent leur part de marché. De la même façon, en dessous, nous avons, j'allais dire, pratiquement une spécialité française, on a, nous, des très grandes surfaces commerciales qui font tout type de produits, d'abord et principalement de l'alimentaire en tant que tel, et donc qui sont, je ne sais pas s'il y en a en Turquie, mais des marques qui sont assez connues, comme Carrefour, par exemple, qu'on trouve un peu partout dans le monde, ou Auchan, qui existent, et Carrefour, je crois, est le second au plan mondial sur ce genre de choses, qui sont donc des lieux où on trouve des livres, mais on trouve des livres où, en gros, dans un rayon Carrefour, à peu près, vous allez avoir 1200 ou 1500 titres en rayon.
c'est-à-dire 1200 ou 1500 références. Donc un assortiment tout à fait limité. Et puis enfin, et je vais revenir après sur les librairies, bien évidemment en 1995, il n'y avait pas de vente en ligne. Alors là, quand je parle des ventes en ligne, c'est des livres physiques, hein, c'est des livres en papier, ce ne sont pas les livres électroniques. De zéro, on est passé à 20%, c'est-à-dire une part tout à fait importante. En revanche, des circuits plus anciens qui existaient, notamment la vente par correspondance ou la vente par courtage, et les ventes même par club, si vous voulez, en tant que tel, diminuent énormément. Je reviens en librairie. Et vous voyez qu'à dessein, volontairement, j'ai isolé, en surlignant en vert, deux lignes. Il y a effectivement ici des librairies, la première ligne, qui était à 23,6% et qui, 22 ans plus tard, sont à 18,5%. Là, ce sont ce qu'on peut appeler le cœur des librairies qui se situent avec, effectivement, qui ont des niveaux de mètres carrés qui commencent déjà à représenter une certaine surface. Mais au-delà du mètre carré, c'est surtout l'offre qu'ils ont. Et l'offre qu'ils ont est une offre qui va se situer probablement, pour beaucoup d'entre elles, si vous voulez, dans celles qui sont ici, de 8 000, 10 000, 20 000, 50 000, 80 000, 100 000 titres présents, donc pas volume, non pas exemplaire, mais titres présents en tant que tels. Donc nous sommes dans des librairies qui sont parfois ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'offre, si vous voulez, d'une offre qui soit extrêmement large, qui sont tout à fait importantes. Alors qu'effectivement, pour la seconde ligne, qui a beaucoup baissé, qui sont effectivement les maisons de la presse, par exemple, ce qu'on trouve dans les gares ou dans les aéroports, on est passé de 11% à 3,5%. Ce sont des lieux qui existent, et tant mieux qu'ils existent, et il y en a énormément, il y en a plusieurs milliers en France. Mais effectivement, quand existent à côté d'eux, si vous voulez, des hypermarchés ou des grandes surfaces culturelles, on peut comprendre qui est, enfin là, dans les pratiques de consommation, ça dépasse le raisonnement économique, c'est dans effectivement ce que sont les pratiques de consommation, ils perdent du terrain et donc on a moins d'opérateurs à l'intérieur de cela. Mais ils existent encore. Ce que je voudrais dire, le commentaire sur ce tableau, c'est que par rapport à ce que disait Rémi Gimazan tout à l'heure, on est encore dans un secteur très diversifié. La question n'est pas de savoir celui qui est le plus gros ou celui qui est le moins gros, c'est combien y a-t-il encore d'opérateurs. Dans le premier réseau là, en vert, ça n'engage que moi, je dirais qu'effectivement ça représente à peu près 1000 points de vente, ce qui s'appelle la première ligne en vert que vous avez, qui ressortent à 18,5%. Pour ceux qui sont la seconde ligne, on n'a pas le chiffre exact, mais il est au moins de 5000 points de vente, ce qui est quand même tout à fait important, ce à quoi, si vous voulez, on peut rajouter tout ce qui est ici. Donc, ce que vous pouvez voir par ailleurs, c'est la part très déterminante des ventes de livres physiques via Internet, qui sont passées effectivement de zéro, puisque ça n'existait pas, à 20%. Et ce qu'on observe dans d'autres pays, il est évident, alors là c'est un point évident, que s'il n'y avait pas cette loi sur le prix unique du livre numérique, ce serait beaucoup plus mauvais. Je dirais qu'effectivement, cette seconde loi qu'il y a eu en 2011, si ma mémoire est bonne, si vous voulez, pour ce dispositif, a été totalement stratégique pour conforter effectivement l'économie du livre prise dans son ensemble. Même si effectivement, le niveau et à l'inverse des États-Unis, par exemple, pour prendre le cas le plus connu, où la disparition du nombre de librairies qui est absolument incroyable là-bas était liée au fait que quand Amazon, pour prendre l'un, mais ça vaut pour les autres, s'est créé, il est arrivé avec des discounts qui étaient à peu près de 60-70% sur l'ensemble du secteur. Donc là, si vous voulez, on observe que de toute façon, on a une loi sur le prix fixe du livre. Les évolutions que nous avons ici montrent qu'on a encore une diversité, mais qu'il y a des évolutions du paysage commercial urbain qui existent, des pratiques aussi, l'accès en ligne qui sont là, donc il est tout à fait logique qu'on l'ait. Et je pense que le tableau suivant, qui est le dernier,
et probablement une forme de conclusion de mon intervention, mais aussi un des centres d'intérêt le plus important vis-à-vis de la question du monsieur le Président que se pose la profession du livre chez vous, c'est qu'est-ce qu'elle donne cette loi pour le consommateur ? Est-ce que cette loi est une loi qui peut conduire à augmenter le prix des livres ? Alors, la courbe que je vous propose ici est une courbe qui est réalisée à partir de données qui ont été établies par un institut public français qui s'appelle l'INSEE, l'Institut national de statistiques et des études économiques. Et donc, là, j'ai choisi de le faire sur une période qui va de 1915 à 2017. Vous voyez, et vous avez les chiffres qui sont en regard, sur la gauche, donc vous voyez que effectivement le prix des livres, ce qu'on appelle l'inflation, souvent on appelle ça l'inflation, c'est-à-dire mais la hausse des prix générale, on a ça dans tous les pays, je pense que vous devez connaître aussi ce genre de choses, donc la courbe qui est en bleu, il y a une augmentation qui se fait, alors excusez-moi, c'est puisque je l'ai pris sur un indice, sur quel indice je l'ai pris ? L'indice 198, mais je ne vais pas redire de 95, mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que, si vous voulez, la hausse du prix du livre, au final, sur cet indice, qui est l'indice 98, augmente beaucoup plus, et la courbe d'ailleurs le traduit, que celle du prix du livre. Et ça, je crois que ce point est très important, parce que, effectivement, j'ai été amené dans des fonctions précédentes à discuter aussi avec à la fois des éditeurs européens, mais aussi à la fois avec les autorités de la Commission européenne. Vous savez que l'Europe est bâtie aussi sur un système de concurrence et que la direction de la concurrence en Europe est quelque chose de très important. Dans votre pays, je crois aussi d'ailleurs, bon. Mais ça l'est également en France. Nous avons aussi une direction de la concurrence qui existe en tant que telle. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'un système de prix fixe est un système qui vient tuer la concurrence, alors ou qui vient effectivement la mettre en péril. Donc là, ça devient une question qui est une question idéologique, je veux dire, en tant que telle. Cette courbe, je crois, en tout cas pour ce qui concerne le prix, est une réponse intéressante, qui est de voir qu'effectivement, les éditeurs, pour faire vite, n'en ont pas profité pour suraugmenter le prix des livres parce que c'est eux qui fixent le prix des livres. Alors, est-ce que ce sont parce qu'ils sont particulièrement vertueux ? Il y a sans doute de ça, mais il y a aussi d'un autre côté, c'est que avec le nombre de références, 67 000 par exemple, nouveautés, plus le catalogue des livres disponibles, on a à peu près, en langue française, à peu près 900 000 titres disponibles, si vous voulez, que toute librairie peut acquérir, et bien effectivement, les éditeurs sont très attentifs aux gammes de prix qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres. Avec un point en particulier que je n'ai pas évoqué pour le moment, mais qui est, par exemple, la part du livre au format de poche. Le livre au format de poche, qui est effectivement, il y a plusieurs collections dans notre pays, dont 5 réalisées par les éditeurs les plus importants. Le livre de poche représente à peu près maintenant plus du quart des exemplaires vendus. Et en moyenne, on peut considérer que le livre au format de poche, quand c'est une réédition d'un livre qui est paru en grand format, le livre au format de poche est à peu près à 40% moins cher que le livre qui était le livre grand format. Je peux vous assurer qu'il y a une véritable concurrence et qu'on voit qu'effectivement les éditeurs, les uns les autres, les grandes collections et les autres, font attention, si vous voulez, à ce genre de choses. Il y a aussi, évidemment, une concurrence sur... Donc, de fait, il n'y a pas cet effet qu'on pourrait appeler un effet d'aubaine, hein, en tant que tel, que pourraient avoir les éditeurs. Il y a effectivement une certaine responsabilité des éditeurs. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, quelque chose qui existe, qui est qu'effectivement, Rémi Gimazan tout à l'heure l'a rappelé, il y a ce dispositif qui, je crois, est très important, qui est effectivement, l'État n'a pas à intervenir dans les conditions commerciales entre les éditeurs et les libraires, ça n'est pas son rôle. On est dans une économie libérale, encore une fois, toutefois, l'État a fixé un cadre
et ce cadre qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les fixations de la marge, c'est-à-dire que va payer le libraire auprès de l'éditeur, en fait c'est distributeur ou diffuseur, mais enfin bon, ça revient si vous voulez à l'éditeur, il n'y a pas que des considérations quantitatives, c'est-à-dire c'est pas plus vous en achetez des livres, moins vous payez cher le livre, qui est un classique du commerce qu'on connaît dans le monde entier, mais il y a aussi le fait de voir ce qu'on appelle la concurrence par les services qui sont apportés. Quels sont ces services ? Le nombre de références qu'il y a dans la librairie, la capacité de conseiller la clientèle, la capacité d'exposer les livres probablement dans les vitrines sur les tables, la capacité d'informer sur les livres, jusque-là y compris pour les commandes clients, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'informer, ça veut dire qu'il faut que ce soit des libraires professionnalisés, professionnels. Et pour prendre un exemple tout bête, quand vous allez à Paris, je vais prendre un quartier que je connais mieux parce que j'y habite pas très loin et que effectivement j'y fréquente quelques librairies. La première FNAC en termes de livres qui a fait du livre en tant que tel, c'est en 1974, c'est celle qui se trouve dans une rue qui s'appelle la rue de Rennes, qu'on appelle la FNAC Montparnasse, parce que c'est à côté du quartier de la gare et du quartier Montparnasse. Dans cette FNAC qui existe toujours, qui a effectivement probablement aujourd'hui 60-65 000 titres présents en tant que tels, donc une vraie offre, elle vend au prix fixe. D'ailleurs, elle ne pratique pas le rabais, la possibilité de rabais de 5% qui était évoquée tout à l'heure par Rémi. Mais si vous allez, si vous voulez, dans des librairies qui sont dans un rayon de 500 ou 800 mètres en tant que telles, vous avez des librairies, dont une que je connais assez bien, qui est sur le boulevard Montparnasse, qui est une librairie qui a 100 mètres carrés, donc c'est quand même largement plus petit que sa dimension culturelle, et c'est une librairie où ils doivent travailler à peu près 6 ou 7 personnes, c'est pas immense. C'est une librairie qui se situe avec à peu près 32 000 titres en référence, ce qui est donc vous imaginez dans un espace, vous dites, bon, et avec effectivement un choix et une sélection extrêmement précis. Et bien cette librairie, si vous voulez, elle existe, alors qu'il y a la FNAC qui est vraiment à côté, qui est un énorme appel d'air. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, et ça c'est ce que l'Europe, la Commission européenne a eu du mal à comprendre, mais a, je crois, maintenant à peu près compris, en tout cas, et sa direction de la concurrence, il n'y a plus une concurrence par le prix, même si par ailleurs il n'y a pas d'offre de bonne, et les chiffres que je vous donne ici le démontrent, mais il y a une concurrence par la qualité du service, c'est-à-dire que les clients, avec un système comme le prix fixe, sont de plus en plus exigeants vis-à-vis du libraire. Ils sont exigeants sur la disponibilité, ils sont exigeants sur la possibilité de conseiller, ils sont exigeants sur la possibilité de dire bonjour. Dans votre culture, c'est plus simple qu'en France, ce n'est toujours pas le cas. Ils sont exigeants, si vous voulez, et donc la concurrence s'exerce aussi. On peut prendre, ça peut paraître ridicule, mais le terme de concurrence par les services qui a été conforté et largement par ce dispositif. Je vous remercie. Ben de Mr. Boyne'a teşekkür ediyorum. Vaktimiz daraldı ama bundan sonraki oturum da bize ait olduğu için 15 dakikayı da kullanalım istiyorum. Şimdi bizlerin daha iyi anlayabilmesi için ben sunumu dinledikten sonra bir iki küçük soru sorup açayım. Ondan sonra da salona döneceğim. Sormak istediğim soruları şuraya not etmiştim. Dinlerken çok etkileyici bir kültür endüstrisi ve yayıncılık endüstrisini tanımlayan her şeyi hemen hemen dinledik ama yine de bazı şeyler sormak istiyorum. Bir tanesi, belki Mr. Boyne bize cevap verebilir. Ülkedeki yayıncılar kitaplarını dağıtırlarken bir ortaklaşa bir indirim oranı ya da sektördeki ticari koşullarla ilgili bize bilgi verebilirler mi? Yani ne kadarlık bir indirim uygulanıyor kitapçılara ve şeylere? Yani alt limiti ve üstü nedir? Kitapçıların kitapları iade etme hakları var mı? Ve bu kitapçılar da aldıkları kitapları ne kadar bir zaman içerisinde ödeyebiliyorlar? Birinci bu soruya cevap verirse Mr. Boyne, daha sonra başka sorular da soracağım. Oui,
je viens répondre, si vous voulez, sur, dans l'exemple que je prenais de Montparnasse, par exemple, la FNAC, chez un éditeur de fiction, va avoir une remise de 40% à peu près. Et toutes les FNAC ont en fait à peu près 40%. La librairie que j'évoquais tout à l'heure, je ne vous cite pas, mais je suis sûr que si vous allez, vous la découvrirez tout seul à Paris, cette librairie a une remise moyenne qui est à peu près de 39,5%, voire de 40% chez certains, parce que, justement, le jeu des critères de qualité qu'évoquait Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ce que joue là-dessus, et ça c'est très intéressant. Pour simplifier, par rapport, si vous voulez, aux grandes surfaces culturelles et au premier niveau de librairie, les 1000 premiers à peu près, on est dans ce niveau de marge en littérature générale, fiction et non-fiction, qui peut aller jusqu'à 40. Quand ensuite, effectivement, on est dans les plus petits points de vente que j'évoquais, ceux qui souffrent beaucoup, ils vont avoir une marge qui va se situer plutôt autour de 33-34%, c'est-à-dire qui est effectivement en deçà. Les grandes surfaces, elles, Carrefour et autres, vont être elles-mêmes autour de 40%. Je complète un petit peu sur les relations commerciales entre libraires et éditeurs, sur les autres éléments de votre question. D'abord, sur la faculté de retour, il y a encore 10 ans, 15 ans, les libraires ne pouvaient retourner aux éditeurs que les livres dans l'année de leur parution, dans les 12 premiers mois, et ensuite les libraires ne pouvaient plus retourner les livres, ils étaient obligés de les garder en stock. Aujourd'hui, de façon un petit peu générale, il est admis que les libraires peuvent retourner à tout moment à l'éditeur le livre et se faire rembourser. Les conditions de délai de paiement entre éditeur et libraire sont généralement à 60 jours fin de mois, c'est-à-dire que le libraire qui reçoit le livre de l'éditeur, au 15 janvier, paiera le livre le 30 mars. Et dans l'autre sens, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand le libraire renvoie à l'éditeur, c'est aussi 60 jours fin de mois. Voilà. Mais la loi n'encadre pas tout ça. Ce sont des pratiques commerciales, des usages. La loi ne dit pas le taux de remise, la loi ne dit pas le délai. C'est les pratiques du secteur. Yine bir soru daha sorayım. Eğitim kitaplarında kamuya kitap satılırken yerel kitapçılar herhalde %5 indirim ya da %9 indirim yapabiliyor mu, yoksa doğrudan devlete mi satılıyor? İkinci bir sorum da %50'ye varan eğitim kitapları satılırken kamuya yayıncı doğrudan mı satıyor? Kitapçıyı bypass ederek mi satıyor, yoksa doğrudan mı satıyor? Alors, de nouveau une précision. Il y a deux types de dérogations. Les livres achetés par les bibliothèques, mais les livres de fiction, les livres de littérature, les livres achetés par les bibliothèques publiques, cela, le libraire peut faire 9%. Les livres scolaires, les livres vraiment éducatifs, les livres scolaires, le prix est libre si c'est acheté par une collectivité. Le libraire choisit son prix. Et effectivement, rien n'interdit dans la loi qu'un éditeur scolaire vende directement les livres scolaires à une collectivité, à une ville qui achèterait des livres scolaires. La loi n'interdit pas la vente directe par l'éditeur des livres. C'est simplement une pratique professionnelle, une pratique d'éthique et de politique commerciale des éditeurs, le moins souvent possible de pratiquer la vente directe. Les éditeurs en France préfèrent toujours passer par le réseau des librairies, même pour vendre les livres scolaires. Ce que vient de dire Rémi, si vous voulez, ça s'inscrit dans le fait que l'un des effets vertueux de cette loi, c'est d'avoir permis que se développe véritablement, le terme n'est pas de moi, mais je le trouve assez juste, une vraie chaîne du livre, et qui dit chaîne, dit avec des solidarités.
Et solidarité, certes, les éditeurs ont la responsabilité du prix, et ça c'est clair, donc ce sont les, excusez-moi, les dirigeants du secteur en pure analyse économique, mais pour autant, ils sont obligés, si vous voulez, et ils s'obligent, sans se plaindre du terme, d'avoir des relations de réflexion professionnelle et des pratiques professionnelles qui soient, si vous voulez, de très bons usages en tant que tels, avec les libraires, bien sûr, et par ailleurs, et c'est dans un autre genre, avec les auteurs dans le cadre du système de droit d'auteur dans lequel on fonctionne. Şimdi salondaki arkadaşlara döneceğim. Arkadaşlar, bu türlü toplantıları hem görsel anlamda YouTube'a yüklüyoruz hem de daha sonra bunların çözümlemelerini yapıp kitap olarak da yayınlıyoruz. Soru soracak olan arkadaşlar önce kendisini tanıtıp, ben işaret ettim de kendisini tanıtıp mikrofonla sorarlarsa teşekkür edeceğim. Adnan. Efendim ismim Adnan Ademir. İlk sorduğunuz, Kenan Bey, sorduğunuz soruya açıklık getirmek için bir şey öğrenmek istiyorum. Öncelikle geç kaldım. Belki daha önce konuşulmuştur. Konuşulduysa da özür diliyorum. Bahsedilen iskondolar, %40 dediler büyük satış noktalarına. Küçük noktalarda %33 civarı dediler. Bu dağıtımcının verdiği iskonto mu yoksa yayıncının direkt olarak verdiği iskonto mu? Ona açıklık getirmesini ben rica ediyorum. Ce sont... Alors, en fait, la plupart des éditeurs français utilisent des entreprises de diffusion et de distribution pour travailler avec les libraires. La distribution étant tout l'aspect logistique, c'est-à-dire le stock et la facturation, les questions strictement commerciales sont réglées par le diffuseur qui travaille avec le même distributeur. Donc, c'est le diffuseur qui va fixer... Alors, pour la traductrice, on ne parle pas de solde, les soldes sous-entendraient discount, on parle de rabais ou remise. Et bu bir hizmet bedeli mi ödüyor yayıncı dağıtıcıya yoksa bir indirim mi açmak lazım yani tam anlaşılmadı gibi soru çünkü. Siz çeviride bir problem var, sıkıntı var. Yani bir hizmet bedeli mi alıyor yayıncıdan dağıtıcı bu hizmeti verirken yoksa bir indirimle mi yayıncıdan alıp kitapçıya indirimle mi satıyor? Je dis une première fois, puis après je laisse à Rémi. En fait, l'éditeur va choisir un diffuseur et un distributeur. Parfois, il en est propriétaire de ce diffuseur-distributeur, mais c'est la plupart du temps ouvert à d'autres éditeurs. Donc, l'éditeur, dans ces cas-là, va offrir une remise au diffuseur, une remise au distributeur, et il y aura, par ailleurs, par le diffuseur, une remise au libraire. Donc, en fait, on part du prix du livre, qui est le prix de vente. Sur ce prix de vente, l'éditeur va accorder au diffuseur-distributeur une remise lui-même, au sein de laquelle celui-ci va accorder une remise au libraire. Pour vous donner un ordre de grandeur, un éditeur de fiction, je veux dire, ou de non-fiction, va accorder pour la diffusion, la distribution, ce qui inclut la librairie, environ 55% de rabais. Erkan Akpınar, İletişim Yayınları. Sabit fiyat uygulamasında denetim nasıl oluyor? Yani ihlalleri nasıl belirliyorsunuz ve bunun sonucunda cezalar nasıl uygulanıyor? Au départ, à l'origine, la loi comportait une disposition qui permettait aux syndicats représentant les éditeurs, aux syndicats représentant les libraires ou aux syndicats représentant les auteurs d'attaquer les personnes qui violaient la loi devant le juge. C'est la seule disposition qu'il y avait, mais on pouvait, les opérateurs qui violaient cette loi peuvent être attaqués par les syndicats.
À partir de 2013, nous avons souhaité renforcer les sanctions d'application de la loi. Ce n'est pas que la loi soit violée souvent par les librairies, ce n'est pas vrai. C'est très très rare quand des librairies, des boutiques violent la loi, vendent le livre à des prix qui n'est pas celui qui est prévu par l'éditeur. Mais en revanche, on observe avec le développement de la vente en ligne, des plateformes de vente de livres sur Internet, on observe des problèmes par rapport à la loi. Donc, à partir de 2013, nous avons pris deux dispositions. D'abord, des agents du ministère de la Culture ont la faculté d'intervenir directement, que ce soit dans les boutiques ou en ligne, pour constater les infractions et les transmettre très rapidement à la justice. Ça, c'est le premier renforcement de l'application de la loi. Le second, c'est que nous avons mis en place une instance qui est un médiateur entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Dès lors qu'il y a un litige autour de l'application de notre loi entre un éditeur et un libraire, entre deux libraires, ils vont voir le médiateur qui essaye de trouver la solution. Voilà. Sinon, les sanctions pénales prévues lorsque la loi est violée sont de l'ordre de un peu plus de 100 euros par chaque action de violation de la loi. Si je vends 50 livres à un prix qui n'est pas le prix fixé par l'éditeur, alors je devrais payer 50 fois 100 euros d'amende. Voilà. Son soru alacağım. Hakkını Buran'a verdim. Peki Buran, buyur. Bu kanun özellikle Mehmet Burhan Genç, Tonguç Yayınları. Bu kanun özellikle kitapçıyı acımasız bir rekabete karşı korumak üzere öngörülmüş. Ama zincirin diğer halkaları, yani yayıncıyı ve distribütörü kendi arasındaki başka acımasız rekabete karşı korumak üzere bu indirimlerin standartlaşması kanun kapsamına alınmamış mı? Bu tarafı bir başka sıkıntıya neden olmamış mı? İkinci el kitap satışları Asım Bey'in sorusunda sormuş olayım. Onlar nasıl organize ediliyor? Onun düzenlenir kanunda. Alors d'abord la deuxième question, le champ d'application de la loi, ce ne sont que les livres neufs. Les livres d'occasion ne sont pas concernés par la loi de prix fixe. Un livre de seconde main, un livre d'occasion, peut se vendre à n'importe quel prix. Ça c'est le premier élément. Il y a un marché de l'occasion qui est entièrement libre. Les relations entre éditeurs et distributeurs ne sont pas régulées par la loi autrement que par la disposition dont on a parlé, qui détermine le niveau de la remise qui est accordée aux libraires. En revanche, aujourd'hui, les relations entre éditeurs et grosses entreprises de vente au détail, comme les géants de la vente sur Internet, comme Amazon, sont l'objet d'un certain nombre de démarches d'enquêtes au nom du droit de la concurrence, parce que il y a des problèmes et l'édition a besoin d'être protégée contre quelque chose qui peut s'apparenter à un abus de position dominante. Lorsqu'un opérateur de distribution comme Amazon devient trop puissant sur un marché, alors il peut avoir des pratiques contraires à la concurrence, qui pourraient être contraires à la concurrence, dans ses relations avec les éditeurs. Des pratiques sur lesquelles des enquêtes peuvent être conduites. Mais pas dans le cadre de la loi de prix fixe, vraiment dans le cadre très général du droit de la concurrence entre les entreprises. Monsieur Boyne, néglige quelque chose. Buyurun, Monsieur Boyne. Oui, vous aviez évoqué de rapidement parler de la concentration, et si je regarde bien votre question, c'est comment prévenir la concentration dans votre pays. Alors, c'est une question délicate, d'abord parce que,
si vous voulez, ce n'est évidemment pas la loi, ce n'est pas l'État non plus d'intervenir dans les processus de concentration. Toutefois, il faut être attentif. Et par ailleurs, la question de position dominante a été faite. Pour ce qui concerne la France, nous avons deux opérateurs très importants, deux opérateurs qui, à eux deux, si vous voulez, représentent plus, un petit peu plus même que la moitié du chiffre d'affaires en tant que tel. Bien. Qui sont, il y en a un qui est un opérateur français, le groupe Hachette, et l'autre qui devrait redevenir français. Actuellement, il est détenu par un groupe espagnol. Et puis, nous avons des groupes à côté importants. Toutefois, je pense que, si vous voulez, il y a cette concentration, elle se fait, ça s'appelle le marché, ça s'appelle l'évolution de l'activité, c'est certain. Toutefois, je voudrais faire deux remarques. D'une part, on peut considérer qu'il y a environ 500-600 éditeurs véritablement professionnels qui existent, si vous voulez, dans notre pays. Ça va être une fonction subjective. Qu'est-ce que j'appelle des gens professionnels? C'est des gens qui publient au moins 5 titres par an et qui peuvent payer au moins un tiers de salaire par mois. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Et puis qui essayent d'avoir un accès à la diffusion. Donc on a quand même un certain nombre d'opérateurs, et dans un secteur en particulier très intéressant qui est la jeunesse, où il y a une forme de créativité extrêmement forte de ces gens-là. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a une particularité française, c'est que les marques éditoriales au sein des groupes éditoriaux, si vous voulez, se font une sorte de concurrence sur les auteurs. Je vais prendre un exemple typique, qui est une maison comme Hachette, qui est un nom connu. Ils ont plusieurs marques en littérature générale, en fiction. Je peux vous assurer qu'une maison comme Fayard a déjà eu des procès face à une maison comme Grasset, les deux appartenant au groupe Hachette, vous avez eu des procès sur des problèmes de contrefaçon littéraire. Donc, ce qui n'existerait pas, si vous voulez, dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas le directeur juridique d'Hachette qui a réglé le problème. Le propriétaire d'Hachette, qui est décédé depuis, qui s'appelle Jean-Luc Lagardère, avait dit « Le premier rôle d'un éditeur, y compris en tant que patron d'entreprise, c'est de respecter ses auteurs. » Donc, effectivement, il y a une sorte de qualité d'usage qui rejoint la notion de qualité d'usage qu'on évoquait tout à l'heure. Yeteri kadar tartıştığımızı ve açıklandığını düşünüyorum ben. Daha fazla vakit olsaydı daha da fazla soru olurdu ama şimdi bir panelimiz daha var hemen arkasında. Tüm öncelikle Fransa'dan buraya kadar gelip bize Fransa uygulamasını aktaran arkadaşlarımıza hem Mr. Boyne hem Jimenez'e çok teşekkür ediyoruz. Saadet Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Çeviri yapan arkadaşımıza Ezgi Ünlüer'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.